Vous êtes bien sur Justice TV, vous avez raison. Avant d'entrer dans le vif du sujet, active le pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. À tout de suite. Justice, réveille-toi. Ma justice, réveille-toi. Donc, le sujet d'aujourd'hui concerne Bachar al-Assad, le président de la Syrie, qui a pris le pouvoir en 2000, qui a remplacé son papa. D'accord? Donc, on se demande tous pourquoi Bachar al-Assad, jusqu'à présent, n'est pas encore poursuivable par la CPI. Pourquoi la CPI n'a toujours pas encore poursuivi Bachar al-Assad? Pourquoi ils n'ont pas encore émis un mandat d'arrêt contre Bachar al-Assad? Bachar al-Assad aujourd'hui qui fait la guerre civile en Syrie, qui a fait aujourd'hui en 2020, depuis 9 ans, 380 000 morts, bien sûr, 380 000 morts en 9 ans. Et cette guerre civile a commencé le 15 mars 2011. Ça fait 9 ans, 7 mois, 25 jours. Bien sûr, ça va dépendre du jour et de la date ou à l'année auquel tu regardes cette vidéo. Donc, mais on se demande tous. Pourquoi jusqu'à présent Bachar al-Assad, la CPI n'a pas émis un mandat d'arrêt contre lui? D'accord. Donc la question est à savoir. Et moi je dirais tout simplement, c'est parce que Bachar al-Assad se fait soutenir par des grandes puissances, par une grande puissance bien sûr, comme la Russie et l'Iran, qui soutiennent Bachar al-Assad. Et tout à fait. Et il y a l'armée libre sicilienne qui est soutenue par la Turquie. Et il y a les forces démocratiques syriennes aussi qui est soutenue par les États-Unis, la France, le Canada, la Belgique, ainsi de suite, l'Israël. Donc, voyant tout cela, on se demande. Et pourtant, la CPI, elle est chargée de juger les crimes d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. D'accord? Des crimes de génocide. Mais pourquoi jusqu'à présent ce monsieur n'est pas encore poursuivable? Il a fait 9 ans, 380 000 morts, et pourtant il y a des morts, il y a des civils qui sont tués, il y a des enfants, des innocents. Pourquoi jusqu'à présent il n'est pas poursuivable? D'accord. Donc, mais, et pourtant, Omar El-Béchir, qui a commis des crimes de génocide, il est accusé des crimes de génocide, bien sûr. D'accord? Et on a émis un mandat d'arrêt contre Omar El-Béchir. Et le crime qui a été commis au Darfour en 2003, qui a fait 300 000 morts. D'accord? Et le Darfour, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est une région située à l'ouest du Soudan. Soudan qui a la capitale Khartoum, bien sûr. Donc, on accuse Omar El-Béchir de génocide, de crime de guerre, d'accord? Qui a fait 300 000 morts en 2003. Donc, et pourtant, la Syrie et le Soudan, ce sont des pays qui ont uniquement signé le statut de Rome sans le ratifier. Donc, je vous explique. Le statut de Rome, tu peux le signer, d'accord? Mais à partir ou au moment où tu le ratifies, ça veut dire que tu as adhéré à l'adhésion. Tu as confirmé ton entrée totale à la Cour pénale internationale de la CPI. Donc, si normalement, ils poursuivent Omar El-Béchir, ils doivent aussi poursuivre Bachar al-Assad. Tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous voyez cette injustice flagrante, une injustice flagrante qui est là. Oui, parce que un pays qui a juste signé, mais qui n'a pas ratifié, donc ça veut dire que peu importe, même si le pays n'est pas encore un pays membre de la Cour pénale internationale, mais si dans ce pays, on commet des crimes de guerre, on commet, il y a une guerre civile, on commet des génocides, peu importe. Ce pays doit être poursuivable. Et les responsables doivent répondre à aux actes, bien sûr. Mais comme il s'agit de Bachar al-Assad, là, il n'est pas poursuivable. C'est parce qu'il y a une puissance, la Russie, qui est derrière, qui le soutient, qui a un droit de veto. Mais si ça concerne un pays d'Afrique, et là, c'est en ce moment où la CPI émet un mandat d'arrêt contre l'intéressé. Donc, une injustice qu'il faut soigner. C'est flagrant. Il faut désafricaniser totalement la Cour pénale internationale. Parce que moi, on n'arrive pas à comprendre pourquoi jusqu'à présent, ce monsieur Bachar al-Assad n'est pas poursuivable.
Et pourtant, Oumar Ebéchi, on le poursuit pour crime de guerre, qui a fait 300 000 morts au Soudan. Et Bachar al-Assad aujourd'hui, qui fait 380 000 morts en Syrie, la guerre civile. D'accord? Donc, on les a demandé pourquoi Bachar al-Assad n'est pas poursuivable. Ils disent, quand on la demande à la CPI, on les a posé la question, on a posé la question à Fatoun Ben Souda, qui est procureur de la Cour pénale internationale, bien sûr. Il faut rappeler qu'elle a été ministre de la Justice au temps de Yahya Jammeh. Elle est gambienne, bien sûr. On a posé la question à Fatou Ben Souda et ils ont répondu, dit non. Ils disent que la Syrie, c'est un pays signataire, mais ils n'ont pas ratifié le statut de Rome. Donc, ça veut dire aussi, donc, comme la Syrie est un pays signataire, ils n'ont pas ratifié le statut de Rome, ça veut dire que la Syrie n'est pas poursuivable en cas de crime de guerre ou en cas de génocide. C'est ce qu'ils ont répondu. Donc, ça veut dire la même chose aussi que Oumar Ebéchi, dans les normes, il n'est pas poursuivable. Parce que le Soudan aussi, c'est un pays juste signataire, mais n'a pas ratifié le statut de Rome. Vous voyez, c'est une injustice flagrante aux yeux de tout un peuple, de tout un continent africain. Mais il s'agit seulement qu'un pays africain commet des crimes de guerre, où il y a une guerre civile, et là, ils sont pressés à émettre un mandat d'arrêt contre toi. D'accord? Donc, cette injustice, il faut la soigner. Il faut désafricaniser totalement la CPI. Bachar al-Assad doit être poursuivable. Ils doivent être poursuivis. Où est la place de l'Organisation des Nations Unies? Où se trouve-t-il? La Cour pénale internationale, et pourtant, elle est à vocation universelle. Peu importe que tu sois pays signataire ou pays membre, peu importe, dès qu'il y a un crime de guerre chez toi, tu dois être poursuivable dans les normes. 380 000 morts, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Mais pourquoi ce monsieur n'est pas poursuivable? La question reste à poser. Ou bien c'est parce qu'il est soutenu par la Russie et l'Iran, qui ont le droit de veto, une grande puissance. Mais maintenant, pourquoi ils veulent poursuivre Oumar Ebéchi? Pourquoi ils veulent que Oumar Ebéchi parte à la Haye, à la Cour pénale internationale? Et pourtant, Bachar al-Assad qui a tué, ça fait 9 ans, 7 mois, qui continue toujours à tuer. Il y a toujours des morts, il y a toujours des victimes qui s'amplifient, qui s'augmentent, jour et nuit. Mais quand il s'agit d'un pays africain, là, ce sont les premiers à émettre un mandat d'arrêt. Mais quand c'est de l'autre côté, là, non, il n'est pas poursuivable. Parce qu'il faut savoir que dans la Cour pénale internationale, il y a les 42 pays qui ont ni signé, ni adhéré à la Cour pénale internationale. Et figure dans ces 42 pays, la Libye de Muammar Kadhafi. Et pourtant, un pays qui n'est ni membre, ni signataire, qui n'a ni adhéré, ni signé, ne doit pas être poursuivable. Selon eux, selon leur loi, selon la loi de la Cour pénale internationale, un pays signataire qui n'a pas ratifié l'adhésion ne doit pas être poursuivable. Un pays qui n'a ni adhéré, ni signé, ne doit pas être poursuivable. Donc, au temps de Muammar Kadhafi, la Libye était juste un pays qui n'a ni adhéré, ni signé la ratification du statut de Rome, de la Cour pénale internationale, bien sûr. Donc, mais pourquoi ils ont émis un mandat d'arrêt contre Kadhafi, contre Muammar Kadhafi? Vous voyez, c'est une injustice. On voit ça, tout le monde le voit, mais personne ne veut en parler. Pourquoi? Dans les normes, selon leur loi, ils disent qu'un pays qui n'a ni signé ni adhéré ne doit pas être poursuivable. Ça, c'est selon la loi de la Cour pénale internationale. Et pourtant, ils ont émis un mandat d'arrêt contre Muammar Kadhafi. Et ils ont tout fait, ils l'ont tué. Et maintenant, ils ont émis un mandat d'arrêt. Comme ils n'ont pas pu avoir le père, maintenant, ils veulent avoir le fils. Du nom de Saif al-Islam Kadhafi. La Cour pays aussi demande qu'il soit jugé, qu'il réponde aux faits. Vous voyez cette injustice? Et c'est ce qui a refusé, les autorités libyennes ont refusé qu'il soit extradé à la Cour pénale internationale. Et qu'ils ont décidé qu'il soit jugé sur lui par la Cour pénale internationale. Et c'est ce qui fut fait. Donc, quant à Oumar Ebéchi, lui, les autorités ont accepté qu'il soit. En tout cas, ils sont sur la procédure pour que Oumar Ebéchi soit extradé à la Cour pénale internationale, qu'il puisse répondre à ses faits exacts. C'est tout à fait normal qu'un dirigeant qui a commis des crimes, qui a tué, qu'il soit jugé quand même pour rendre justice, pour que justice soit faite pour les victimes. Tout à fait normal. Mais selon la loi soudanaise, bien sûr, toute personne âgée de 70 ans ou plus de 70 ans, à partir de 70 ans, ne doit pas purger une,
une peine de prison. Donc, en ce moment où nous parlons, si réellement la loi soudanaise est respectée, ça veut dire Omar el-Béchir ne doit pas purger une prison, ne doit pas faire la prison, tout simplement. Parce que Omar el-Béchir, à ce jour, il a 76 ans. Oui. Donc, ça veut dire Omar el-Béchir doit pas aller en prison. Si réellement ils respectent la loi, si réellement ce qu'ils disent c'est réellement c'est ça, ils appliquent la loi, ça veut dire Omar el-Béchir ne doit pas aller en prison, il ne doit pas purger une peine de prison, tout simplement. Et la vidéo du jour concerne Bachar al-Assad. Et j'explique tout ça, c'est parce que j'ai une injustice flagrante aux yeux de tout le monde. D'accord? Bachar al-Assad qui a tué, ça fait 9 ans, 7 mois. 25 jours. Bien sûr, ça va dépendre du moment où, à la date auquel tu regardes cette vidéo. 380 000 morts. La guerre civile en Syrie. Et jusqu'à présent, ce monsieur n'est pas poursuivable. La Cour pénale internationale n'a jamais émis un mandat d'arrêt contre lui. Donc, je ne vais pas trop en profondeur. C'était juste être bref, juste expliquer cette injustice, juste en parler de cette injustice qui se passe aux yeux de tout le monde, aux yeux de tout le monde, aux yeux de tout un Africain, aux yeux de tout un continent. D'accord? Bachar al-Assad qui continue toujours à tuer, mais la Cour pénale internationale ne met pas un mandat d'arrêt contre lui. Dès qu'il s'agit d'un pays africain, là, c'est en ce moment, ils émettent un mandat d'arrêt contre toi. Dès qu'il s'agit d'un pays africain, là, la Cour pénale internationale, elle est la première à émettre un mandat d'arrêt contre toi. Tu es accusé de crimes de génocide, je ne sais pas, crimes contre l'humanité. Mais quand c'est de l'autre côté, les Occidentaux, peu importe le Moyen-Orient, et là, il n'y a pas de coup pénal, là, on ne met pas un mandat d'arrêt contre toi. Hein. Mais quand il s'agit de l'Afrique, c'est là-bas, on émet un mandat d'arrêt. Juge Bachar al-Assad, la Cour pénale internationale est à vocation universelle, que tu sois pays membre ou pas. Tu commets un crime contre l'humanité, crime de génocide, dans ton pays, durant des années. Ce monsieur doit répondre à ses faits et gestes. Il faut émettre un mandat d'arrêt contre Bachar al-Assad. Ça suffit, c'est trop. 380 000 morts en 9 ans. Donc, la question est à savoir, il faut méditer là-dessus. Et ça se passe à l'œil de tout le monde. De tout un continent, de toute une génération consciente. On voit tout ça. Et Bachar al-Assad n'est jusqu'à présent pas poursuivable. Et pourtant, la Cour pénale internationale est là pour objectif de faire responsabiliser les autorités civiles, qu'ils soient civiles ou militaires. D'accord? Elle est là pour objectif de responsabiliser toutes ces personnes qui commettent des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes d'agression, des crimes contre l'humanité. Peu importe ton pays. Elle est à vocation universelle. C'est ça. D'accord? Mais pourquoi c'est seulement l'Afrique? La question est à savoir. Trop, c'est trop. Cette injustice, elle est flagrante. C'est que c'est une foutaise, en fait. La Cour pénale internationale se fout du continent africain. C'est une foutaise flagrante. Oui, c'est une foutaise. N'acceptons plus ça. C'est une foutaise. La Cour pénale internationale se fout de l'Afrique. Ils font ce qu'ils veulent du continent africain. C'est comme si c'était une haine. Donc, sur ce, on se dit ça. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. A plus. Justice, réveille-toi. Ma justice, réveille-toi.